Oui, je voudrais que vous me laissiez tout court. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps que c'est partout en Facebook Live. Ravi de vous revoir en cette veille du week-end de l'Ascension pour ceux qui auront la chance de faire le pont. Effectivement, j'ai la chance de recevoir et toute la journée depuis ce matin François de Rugy, donc ancien ministre de l'écologie, ancien président de l'Assemblée nationale, député également et puis conseiller régional. Alors pas à mes côtés parce qu'on est chacun conseiller régional dans le même mouvement politique Renaissance, mais chacun dans nos régions. Mais par contre, ça nous permet aussi d'avoir des échanges inter-régions sur des enjeux parfois communs. Et je le remercie beaucoup d'avoir passé cette journée à Nevers. On avait décidé de caler ça depuis un petit moment. Il fallait trouver le temps sur nos enjeux, évidemment dans son domaine de prédilection qui est l'écologie, les transformations énergétiques liées au numérique aussi. Enfin, beaucoup de sujets qu'il maîtrise très bien. Et pour moi, c'est important pour les projets qu'on mène à la ville de Nevers d'avoir son expertise et son avis. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses à partager, mais une journée ne suffirait pas. Donc, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Il devra nous quitter un temps pendant le Facebook Live, puisqu'il doit prendre son train. Mais merci à lui de jouer le jeu. Il était prévu depuis longtemps et c'est un peu l'invité, entre guillemets, surprise. Je vous propose qu'on consacre le début de ce Facebook Live au projet qui concerne davantage la thématique de prédilection qu'est l'écologie qu'il a portée au niveau gouvernemental. Et puis, on abordera les sujets après. Plus nos vers soi, évidemment, ensemble. Merci. Alors, monsieur de Rugy, monsieur le ministre, vous avez visité aujourd'hui quelques installations que Nevers et son agglomération ont mis en place pour préserver l'eau. En tant qu'ancien ministre à l'écologie, qu'en avez-vous pensé? J'ai été très intéressé par d'abord la qualité des investissements. Quand je vois la station de pompage pour garantir la sécurité d'approvisionnement en eau potable de tous les habitants. Et c'est extrêmement important. Je crois qu'on a plus conscience aujourd'hui du caractère vital de cet enjeu, alors qu'il y a quelques années, quand j'étais ministre, on pensait que c'était une évidence. L'eau coule du robinet, il n'y a pas besoin de se poser la question. Aujourd'hui, les collectivités qui ont investi peuvent garantir à leurs habitants le fait qu'ils ne seront pas privés d'eau potable, c'est quand même vital. Mais au-delà de ça, une innovation sur le traitement des eaux usées, par exemple, le fait de faire appel à ce qu'on appelle la biosurveillance, le biocontrôle, c'est-à-dire utiliser des petites bêtes qui sont dans nos fleuves, dans nos rivières, pour vérifier que l'eau, une fois passée dans la station d'épuration, peut retourner à la Loire de façon totalement neutre pour l'environnement, sans pollution. Et puis sur bien d'autres sujets aussi, beaucoup d'innovation dans cette ville de Nevers. Et donc c'est toujours très intéressant. Merci. Oui, alors innovation, monsieur Thurieux, vous pouvez peut-être nous parler de quelques innovations qui ont été mises en place avec Nevers Agglomération, notamment pour l'eau. Oui, sur l'eau, effectivement, moi j'ai toujours dit l'innovation, pour l'innovation ça n'a pas d'intérêt, l'innovation elle est au service de nos habitants, des hommes et des femmes, et puis elle est au service aussi de nos projets plus larges, et notamment en matière de développement durable. Je rappellerai le label numérique responsable, nous sommes la première ville à l'avoir reçu, et l'idée c'est vraiment de symboliser à la fois notre intérêt pour le progrès technologique à partir du moment où il est intelligent, dans le cas du déploiement du territoire intelligent, et puis aussi le respect de l'environnement, sans avoir une étiquette écologique absolue. J'ai toujours dit, pour moi ça fait plus partie d'éducation que de la politique. Donc je pense que depuis 2014, on a fait beaucoup de progrès. Un objectif aussi d'arriver à peu près à 32 000 arbres sur le territoire de la ville de Nevers, ce qui est aussi effectivement une grande ambition à l'heure où on recherche des zones de fraîcheur. On en a déjà beaucoup, mais on peut encore faire plus. C'est ce qu'on est en train de mener dans le cadre aussi de la quatrième fleur, du prix d'aménagement paysager. Donc c'est vrai qu'on a eu un certain nombre de reconnaissances de ces prix à la fois environnementaux quelque part et aussi technologiques, notamment avec le groupe Lacroix-Saufrel. Et le groupe Lacroix-Saufrel n'a pas travaillé pour nous pour faire une application, un dispositif notamment d'intelligence artificielle pour mieux gérer les fuites d'eau. Nous l'avons travaillé avec nos services de l'agglomération aussi qui l'ont co-construit. Donc c'est à souligner parce que c'est pas évident et c'est vrai qu'on a un service de l'eau et de l'assainissement notamment qui est effectivement porteur de beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Il n'y a pas que ce service-là, je salue les autres aussi, mais je le remercie parce que ça peut montrer aussi qu'en collectivité, on a de l'intelligence qui n'est pas artificielle, qui est bien réelle. Et donc, voilà, on a eu un prix par ce biais-là pour un dispositif de distribution d'eau efficient, sans perte, pas loin de 90%, on va y arriver, hein, entre 85 et 90%, ce qui est quand même très performant, je pense que François de Rugy peut le confirmer, on ne trouve pas ça partout. Donc tant mieux, parce qu'aujourd'hui, l'eau de l'hiver doit être l'eau de l'été, pardon, comme je le dis. Et effectivement, demain, mais c'est aujourd'hui, on ne doit plus perdre une seule goutte d'eau. J'ai
co-présenté avec la ministre hier, Bérangère Couillard, le plan haut du président de la République. Et il faut que chacun s'en empare parce que la mise en pratique, elle passera par les collectivités, par les agences de l'eau aussi, mais par les dispositifs et les compétences que sont en train de prendre certaines intercommunalités qui n'ont pas. Nous, on a la chance, et je le dis très objectivement, d'avoir une politique de l'eau depuis de nombreuses années, ce qui nous aide bien à apporter l'évolution de ces choses. Et c'est vrai que ce dispositif de maîtrise des fuites d'eau a reçu un prix au Festival de Cannes, alors pas les des festivals, parce que le Festival de Cannes, c'est en ce moment, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, également au CES de Las Vegas, également au CIVIM, donc voilà, pour nous, c'est une fierté. On a aussi démontré l'intérêt des filets pour récupérer les déchets qui évitent de tomber dans la Loire ou dans le ventre des poissons et qui saccagent la faune et la flore. Donc ça aussi, c'est des tonnes, ce sont des tonnes qu'on récupère, et j'ai envie de vous dire, si chacun fait un effort, ces filets, un jour, il faut qu'ils ne récupèrent plus rien. Et là, ça sera bon signe. Ça veut dire qu'on n'évacue plus par ce biais-là des déchets. Donc, il faut absolument qu'on arrive à le maintenir. Et puis, on a beaucoup de choses sous l'inondation, mais je ne vais pas forcément en parler aujourd'hui. On a aussi beaucoup de projets d'aménagement autour du ruissellement. Ça va passer aussi par l'aménagement de la future zone piétonne, et pas que piétonne de centre-ville, et des caniveaux traités différemment qui vont permettre de récupérer l'eau et de la récupérer. Donc vous voyez, c'est beaucoup de choses qui sont déjà mises en place ou qui vont être mises en place. Et comme François l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a de belles choses qui se font un peu partout dans les territoires, mais nous ne sommes pas en reste et j'en suis fier et je remercie les élus et les services qui travaillent à nos côtés. Oui, alors on va aussi, je crois, la désimperméabilisation des sols qui est aussi importante à Nevers et son agglomération. Aussi ramener la végétation en ville, il me semble que c'est aussi la politique d'Anne Wozniak, son souhait, votre élu à l'environnement, à l'urbanisme. Voilà. Donc on sent qu'il y a une vraie dynamique à Nevers qui s'est installée en ce sens, en tout cas. Et vous ne la voyez pas, mais elle est là, donc je vais dire qu'effectivement, je vais la remercier de son accompagnement. La quatrième fleur, c'est aussi une initiative qu'elle nous avait proposée. Donc bien sûr qu'on mène beaucoup de choses. Et moi, j'ai toujours dit les bonnes personnes aux bonnes places. Anne Wozniak est architecte paysagiste, elle est très sensibilisée effectivement au monde de la nature, mais aussi au monde de l'urbain, parce qu'il faut tout concilier. Et ça fait un moment, hein, même avant le fonds vert aujourd'hui, qui nous aide bien, même avant d'autres dispositifs, qu'on avait volontairement pratiqué une politique de la nature en ville, et notamment de désimperméabiliser certains parkings, par exemple, certains aménagements, évidemment toute la zone piétonne qu'on travaille. Et puis la quatrième fleur, qui est une fierté, puisqu'il y a moins de 400 communes qui l'ont, sur 34 000, et notamment souvent des plus petites villes. Et on a eu le prix d'aménagement paysager cette année. Donc voilà, on progresse, on avance. Je pense qu'on n'est pas en reste sur les zones de fraîcheur. On plante aussi des micro-forêts, mais on doit encore aller plus loin. Et je l'ai dit, un objectif de 32 000 arbres. On peut y arriver, on a une politique de plantation. Je l'indique aussi, je sais que ça fait toujours polémique, malheureusement, nous allons devoir abattre prochainement, avant la fête foraine, 5 arbres dans le parc Roger Salingros. On ne fait pas de gaieté de cœur, ce sont des arbres malades, ce sont des arbres qui peuvent tomber, ce sont des risques. Par contre, quand on enlève un arbre, on en plante beaucoup plus, donc ce sont les arbres de demain aussi. Et un arbre, c'est comme un être humain, ça a une durée de vie parfois, ça a des maladies aussi, et donc on doit le traiter. Donc voilà, on s'en excuse, mais encore une fois, c'est pour la bonne cause. Très bien, merci. Alors on peut peut-être aussi repréciser qu'actuellement se déroule la classe de la biodiversité. Donc les gens peuvent avoir tout le programme sur le site de la ville de Nevers. Ils peuvent s'inscrire à différents ateliers qui sont encore là pour 8 mois. Voilà. Oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qui était attendu. Alors on va parler d'autres sujets, peut-être un point sur la sécurité. Oui, mais je me permets de reposer une question à François Drugy, parce que je sais aussi, on n'a pas eu temps de beaucoup en parler, sur les énergies renouvelables, je sais que c'est aussi son domaine et qu'il a de l'expertise. Donc vous le savez, on a des enjeux autour du photovoltaïque, de l'éolien un peu moins, parce qu'on n'est pas vraiment un couloir sur l'agglomération, mais il y a d'autres parties du département. J'ai envie de dire à François, il y a à la fois une envie, une attente, puis à la fois quand on veut en faire, c'est compliqué pour nos habitants, ils veulent bien en faire, mais des fois pas à côté de chez eux, ailleurs. On a la problématique aussi dans un patrimoine historique tel que l'on connaît à Nevers centre-ville, c'est comment faire du photovoltaïque et que ça soit validé, notamment par l'architecte des bâtiments de France, parce que c'est un peu injuste de pénaliser les gens qui sont en secteur historique et qui veulent faire des efforts. Donc je sais pas, je voulais lui demander un peu comment il voyait les choses et comment harmoniser tout cela. Bon, sur l'aspect protection du patrimoine, c'est vrai que les architectes des bâtiments de France veillent au grain, en général, de façon assez stricte. Bon,
pourrait discuter à l'infini de savoir si esthétiquement ça pose vraiment un problème sur les toitures de maisons qui peut-être n'ont pas elles-mêmes d'ailleurs un intérêt patrimonial particulier, mais qui sont simplement dans la zone des 500 mètres d'un bâtiment historique. C'est sûr que c'est un petit peu plus complexe sur ces habitations, ces constructions. En revanche, il y a une loi qui a été votée il y a peu de temps, qui s'appelle accélération justement du développement des énergies renouvelables et qui a mis la priorité pour les panneaux photovoltaïques sur tout ce qui est bâtiment, on va dire de stockage, de logistique, tous ces grands hangars que l'on voit souvent à la périphérie de nos villes, qui ont des grandes surfaces de toiture et qui donc peuvent être rénovés avec des toitures photovoltaïques qui vont donc produire de l'électricité en quantité assez importante. Et aussi les parkings. Et ça, je pense que dans tous nos territoires, dans toutes nos villes, il y a toujours des surfaces de parking, notamment pour les supermarchés, par exemple, qui peuvent être couvertes totalement ou partiellement par des panneaux solaires photovoltaïques qui vont avoir le double intérêt de produire de l'électricité, de contribuer à l'autonomie énergétique de la France, au fait d'avoir une électricité renouvelable, décarbonée, mais aussi de protéger les surfaces de parking. On se plaint parfois de la sécheresse, mais il y a d'autres moments où on se plaint parfois de la pluie, des mauvaises conditions météo, et quand on vient garer sa voiture sur un parking, on peut être content d'être à l'abri quand on vient faire ses courses. Et puis en plus, ça va permettre d'alimenter indirectement des bornes de recharge pour les véhicules électriques qui déjà aujourd'hui se développent et seront de plus en plus nombreux demain. Donc ça, je pense que tout le monde peut retenir que c'est vraiment un axe de développement extrêmement important pour les panneaux solaires photovoltaïques. Et puis les particuliers ont aussi la possibilité d'en faire sur leur maison quand ils ne sont pas en secteur sauvegardé. Et il faut le rappeler, il y a des aides de l'État et il y a aussi la capacité aujourd'hui à consommer l'électricité que l'on produit. Et puis le surplus, on peut le revendre et donc économiquement, c'est valable puisque ces installations sont très très durables et très solides. Merci. Géothermie aussi, micro-gestion des forces hydrauliques, micro-hydroélectricité, est-ce que c'est aussi des thématiques qu'on doit plus porter parce qu'on a tendance à réserver ça souvent à la montagne ou autre, comme on voit aussi au Canada où il y a beaucoup de... effectivement de forces hydrauliques qui permettent de produire leur propre électricité sous cette forme-là. Moi, j'étais un peu parti en réfléchissant, évidemment, sur un plan départemental, sur de la petite micro-hydroélectricité. Mais alors, il faut trouver aussi un modèle économique, parce que c'est des investissements forts. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, il y a souvent le sujet du modèle économique. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment changé de vision sur la production d'électricité en France et l'énergie en général. Pendant longtemps, on était un peu dans l'idée qu'il y avait un seul mode de production qui permettait de tout régler. De fait, en France, on avait beaucoup développé l'énergie nucléaire, ce qui a l'avantage de produire de l'électricité sans émission de gaz à effet de serre. Mais on voit aujourd'hui que s'il y a un problème sur plusieurs centrales nucléaires en même temps, ça peut nous mettre en difficulté. Donc c'est l'intérêt de la France et des Français, de développer vraiment une très grande diversité de moyens de production d'électricité et de façon très décentralisée, ce qui est nouveau pour un pays comme la France, mais ce qui se développe déjà beaucoup et va se développer demain de plus en plus, avec aussi le caractère intelligent des réseaux d'électricité, un peu comme ce qui était présenté tout à l'heure sur l'eau. Eh bien, en fait, c'est un peu la même chose sur les réseaux d'électricité. Donc on est capable aujourd'hui de gérer de façon très intelligente des réseaux d'électricité sur lesquels il y a à la fois bien sûr de la consommation mais aussi de la production. Et à ce moment-là, entre l'éolien, le solaire, en effet de la petite hydroélectricité à tel endroit, d'autres modes de production à d'autres endroits, on aura la capacité à satisfaire nos besoins et à le faire avec un impact écologique le plus faible possible. Mais on a aussi d'autres sujets, on en a parlé ce matin à la station d'épuration, c'est la méthanisation, c'est-à-dire la capacité à produire du gaz renouvelable à partir soit des boues de stations d'épuration, soit les déchets ménagers. À partir de 2024, il faudra trier de façon séparée les déchets putrescibles, comme on dit, c'est-à-dire les épluchures, tout ce qui pourra être demain soit composté, soit méthanisé. Et ce sera aussi une ressource énergétique renouvelable produite sur nos territoires.
Alors, on a un internaute qui nous demande, qui a une question. Il nous le dit, les mesures écologiques en termes d'habitation sont-elles prévues pour les habitations style HLM, qui sont des vraies passoires énergétiques? Tu veux répondre? Vas-y. Il y a des choses au niveau national et puis il y a des choses qui sont faites à l'échelle de chaque office HLM, soit office public, soit société anonyme de HLM. Déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de belles réalisations. Moi, je crois qu'il faut aussi dire ce qui va bien, parce que parfois on souligne ce qui va mal et il peut y avoir parfois des immeubles des années 50, 60, 70 qui sont en effet des passoires thermiques, qui sont un peu dégradés et les habitants sont en attente de travaux d'isolation et puis on pourrait dire d'amélioration tout simplement des logements. Mais il y a des belles réalisations qui montrent que c'est possible, que ça permet de réduire les charges des locataires. Donc en plus d'un bénéfice écologique, il y a un bénéfice social pour les habitants. Il y a des budgets nationaux pour cela. Il y a des prêts à long terme et à taux assez maîtrisés pour que les collectivités locales avec leurs offices HLM puissent financer cela. Après, je pense que je laisse le maire de Nevers parler de ce qui se fait ici à Nevers. Il y a effectivement des compléments locaux. Pardon. Et donc, il y a aussi l'accompagnement qu'on porte auprès des bailleurs sociaux. Je dois saluer leur politique, et notamment Nièvre Habitat, qui est le plus investi sur notre territoire, qui a notamment rénové beaucoup de ces bâtiments qui n'étaient plus habitables, avec des coûts de l'énergie qui étaient supérieurs aux coûts des loyers. Notamment, je pense au quartier de la Baratte Courly. Il y a aussi des enjeux sur notre projet en rue renouvellement urbain du quartier du Banlay, où il y a beaucoup d'habitats collectifs, même si on a déconstruit, vous allez voir, d'autres immeubles vont tomber qui n'étaient plus dans les normes du 21e siècle. Mais pour ce qui peut être rénové, soit par des isolations extérieures, soit par l'intérieur. Et puis encore une fois, pour le coup, réseau de chaleur. Alors je vous le dis, les travaux du réseau de chaleur ont repris sur le secteur Coubertin et Bordeloire. Ils n'ont pas repris Place Carnot, puisqu'il y a des fouilles archéologiques, sans doute en septembre, mais il y aura à nouveau des gènes nécessaires, mais à la fois c'est pour la bonne cause, c'est pour relier des bâtiments comme le tribunal, la mairie, et donc diminuer la facture énergétique, ce qui jouera forcément aussi sur les latitudes des collectivités, notamment sur les taux d'imposition. Donc vous voyez que ça sera à la fois des travaux gênants, mais à la fois des travaux nécessaires pour un réseau qui sera assez exemplaire de plus de 44 km. Pour en revenir à l'eau, j'ai oublié de citer un chiffre, mais notre dispositif de gestion des économies de l'eau, c'est 200 000 m3 par an que nous ne perdons plus dans la nature, qui parfois la récupère et qui parfois ne la récupère pas. Donc voilà, c'est aussi une façon de montrer qu'on peut être dans la sobriété tout en ayant de l'ambition d'essayer de continuer de porter nos politiques publiques, et notamment celle de l'eau, qui va prendre une envergure de plus en plus majeure. Avant, l'eau, on n'y pensait pas, elle coulait toute seule, elle va couler de moins en moins toute seule. C'est le prix de l'eau, le coût de l'eau aussi. Paye-t-on le prix de l'eau, ce qu'elle vaut? C'est une vraie question, même si on a des aides aussi pour ceux qui sont plus démunis et qui ont plus de difficultés à payer leur facture d'eau, et notamment la nouvelle agglomération, le Pass Eau. Mais voilà, il y a un vrai enjeu. Et donc, à chacun de nous de faire des efforts, ça sera... Et quelque part, il y a un illogisme économique parce que l'agglomération porte l'eau et a besoin d'en vendre. Mais on est tout à fait conscient que si on en vend moins, on sera très heureux parce que ça veut dire qu'il y aura une sobriété et que l'eau va devenir un bien rare. Et plus le bien est rare, plus il est coûteux, plus il est cher. Donc devançons les difficultés. Comme nous parlons d'économie d'énergie, de chauffage, peut-être que vous pourriez nous dire un mot sur le réseau de chaleur. Oui, je l'ai déjà abordé. Donc, on a une ambition de passer de 32, 34 km à une dizaine de kilomètres en plus. Donc, on est à plus de 44 km rien que sur les territoires de Nevers et de son agglomération. C'est un plus, et je pense que ceux qui en bénéficient aujourd'hui le voient sur leur facture énergétique, ils nous le disent. Je rappelle que le principe, c'est de se chauffer avec le brûlage des déchets, plus une chaufferie biomasse. Donc voilà, c'est comment aujourd'hui récupérer la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale. On est aussi sur la création d'un data center à proximité de la piscine d'agglomération, l'Aquabalt, qui permettrait de chauffer, non pas les bassins, ils sont déjà sur le réseau de chaleur, mais qui permettrait de chauffer les bureaux, puisqu'on a le service culture, le service sport, ce qui permettrait de chauffer aussi le volume important d'une piscine intérieure, hormis les bassins. Donc vous voyez, on est à la recherche aujourd'hui de solutions innovantes, mais finalement, quelque part, de solutions logiques. Peut-on encore perdre de l'eau? Non.
comment récupérer au maximum la chaleur. Si en période de sécheresse ou de canicule, on pourrait récupérer la chaleur extérieure aussi pour l'hiver, ça serait fantastique. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est de l'utopie, mais peut-être qu'un jour ça sera de la réalité. Enfin voilà, en tout cas c'est cet esprit qu'on doit avoir, comment gérer au mieux les ressources naturelles, les préserver, en prendre soin, les conserver et puis évidemment les recycler, donc les réutiliser. Merci. Vous souhaitez aborder un point sécurité ? Moi, je ne souhaite rien aborder. Je souhaite aborder ce que les gens veulent aborder. Mais voilà, je voulais en tout cas emmener nos concitoyens, comme le font tous les maires, sur vraiment un changement d'état d'esprit, un changement de logiciel. Ce n'est pas pour les brimer, c'est pour justement éviter qu'on soit trop en période de pénurie, où là, on sera tous brimés parce que ce sera l'urgence qui l'imposera. Mais puis, on prendra des mesures en amont. Et on le fait déjà à la ville de Nevers, parce que j'avais dit objectif 32 000 arbres en 2026. Mais je reprends mes chiffres. On a déminéralisé à la ville de Nevers, pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, pratiquement 4 hectares depuis 2014. Donc c'est quand même important pour rapport au périmètre d'une ville médiane. Et dorénavant, tous les travaux de voirie sont accompagnés d'un travail sur leur déminéralisation. Ça veut dire quoi aussi? Je le dis gentiment, ça veut dire accepter la nature en ville, accepter la petite herbe qui pousse. Et autant vous dire qu'effectivement, on a des services d'entretien, parce que ça ne va pas être la savane non plus. Mais le mode « tout doit être géré à la passe à épiler », c'est fini. Et on ne peut pas à la fois dire « on respecte la nature, on respecte la planète » et exiger qu'il n'y ait rien qui dépasse, si je puis dire. Et puis, ça a un côté un peu sympathique. Et je rappelle gentiment aussi à chacun d'entretenir ses trottoirs, c'est comme la neige. Et puis, évidemment, la ville de Nevers est là pour compléter. Mais encore une fois, on a toujours de plus en plus de nature en ville. Et vous en verrez d'ailleurs dans la zone piétonne, on vous conviera bientôt à choisir notamment le revêtement de sol et les pierres que nous pourrons vous proposer. Et c'est normal, c'est un projet implicatif. À nouveau une question sur ce qui est du recyclage et notamment le compost. Une personne nous demande si la ville va mettre des composts dans des cantines scolaires, dans le primaire notamment. Alors, je ne sais pas, François, si ça se développe beaucoup, mais évidemment qu'on est sur les composteurs. Je ne sais pas si tu as un retour d'expérience de ton côté. Il y a eu beaucoup de collectivités qui ont même été jusqu'à fournir ou subventionner l'acquisition de composteurs individuels pour les gens qui vivent en maison. Après, pour les habitants d'immeubles, c'est évidemment un petit peu plus compliqué à gérer. Donc parfois, il y a les composteurs collectifs qui sont installés sur l'espace public. Ça demande de l'accompagnement, parce que si c'est fait comme ça, soit ça ne marche pas, soit il peut y avoir des problèmes de propreté. Mais si c'est accompagné, porté par des associations, des groupes d'habitants, ça donne souvent de bons résultats. Après, il y a des choix à faire. Est-ce qu'il vaut mieux composter certains déchets alimentaires, par exemple, ou est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans des méthaniseurs? Ça, c'est après, à part une analyse à la fois des besoins, mais aussi des opportunités, des ressources dont on dispose. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus intelligent que de faire ce qu'on faisait à une époque, qui était de tout mélanger, tous les déchets ensemble, et de mettre ça dans des décharges qui dégradaient durablement la nature, et on se privait de ressources. Et que là, c'est quand même une ressource pour ensuite soit faire de l'engrais pour son jardin, soit pour les collectivités locales, pour les jardins publics, soit même pour les agriculteurs. Et puis, si on arrive à les mettre dans des méthaniseurs, il faut une certaine quantité, et bien ça permet de produire du gaz renouvelable. Oui, j'ajouterais d'ailleurs pour ce qui est de la partie alimentaire que notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus de gaspillage. Et c'est ce que porte aussi la présidente de la Cuisine des Saveurs avec ses équipes, Amandine Bougila, adjointe et vice-présidente de l'agglomération. C'est comment au mieux gérer les commandes, et notamment les commandes en circuit court, dans la mesure où on peut le faire, parfois aussi en bio, même s'il ne faut pas rêver, on ne peut pas faire 100% de bio, faute d'avoir une production suffisante derrière, mais on fait le maximum là-dessus. Et puis, c'est comment, et c'est pour ça qu'on vous demande d'anticiper vos réservations dans les écoles. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous dire que plus on sait tôt la quantité dont on aura besoin, moins il y aura de gaspillage, moins il y aura de gâchis, même si parfois, je prends l'exemple des courses, la Look, où il restait 20 kilos de pâtes aux truffes ou à autres. Bon, on a essayé de trouver une solution pour les donner. Il y a des règles sanitaires par rapport aux écoles, mais pour les donner au Resto du Cœur, au Prado, etc. Il est évident qu'on ne doit pas perdre la nourriture quand certaines personnes ont du mal à l'acquérir. Et plus largement, sur le compost, on a la solution depuis longtemps pour les particuliers qui ont des jardins. On vend
à des prix très attractifs à l'agglomération des composteurs. On a des composteurs qui sont parfois innovants, qui sont créés aussi par des sociétés. On a un composteur naturel et animal qui s'appelle Adopt-un-Bec. On peut adopter une paire de poules pour consommer justement parfois les surplus qui ne sont pas consommables par l'homme. Et puis, j'ai trouvé la solution pour l'habitat collectif. Je suis fier de le dire parce que c'est grâce à notre collègue François-Vincent Chauvet, le maire d'Autun. On était en visite il n'y a pas longtemps avec le maire de Vesoul dans sa ville, Alain Chrétien. Et lui a installé des composteurs collectifs au pied d'immeubles. Parce que c'est vrai que la difficulté, c'est compliqué de mettre quand on a un appartement un composteur. Ben là, c'est la solution. Disons que chacun joue le jeu et s'en sert pas de dépôt d'ordures. On voit ça, par exemple, sur les bacs à verre parfois. Mais donc, on va partir là-dessus. Et j'ai demandé à Anne Vosniak de travailler ce point-là pour proposer des composteurs de pieds d'immeubles qui soient accessibles à tous, comme on le fait parfois sur les petits jardins partagés en pieds d'immeubles aussi, qu'on peut proposer à des gens qui n'ont pas de terrain. Donc voilà, aujourd'hui, l'innovation, elle est dans tous les domaines. Elle n'est pas que technologique ou digitale. Elle est aussi de trouver des solutions pour tous. Alors, un internaute nous demande où en est-on dans les bus électriques ? Où en est ce projet ? Alors, on a tout testé, hein, bus électrique, bus mixte, hybride, bus GNV. Bus électrique, on a déjà la navette Bolloré-Nevers, hein, qui est pour l'instant gratuite, hein, la Coursinelle. Après, effectivement, ça fonctionne. On est un terrain, alors c'est vrai qu'il y a quand même quelques montées, mais on me dit quand même que c'est compatible. Nevers n'est pas tout à fait plat. Après, c'est les surcoûts. Et malgré toute la bonne volonté, on est aussi contraint par nos budgets. Et aujourd'hui, l'acquisition d'un bus électrique, d'un grand bus électrique, est quand même d'un surcoût très important par rapport à un bus classique. Notre objectif sur la quarantaine de bus dont on est propriétaire et qu'on met à disposition de Keolis, c'est peut-être partir sur davantage de mix énergétique plutôt qu'une seule solution, ce qui me paraît risqué aujourd'hui alors que beaucoup de technologies évoluent. Il y a l'hydrogène aussi qui peut arriver sur les grands véhicules qui semblent assez appropriés. L'ISAT travaille sur l'hydrogène et d'autres acteurs locaux. Il faut qu'on développe une filière hydrogène verte mais propre, c'est-à-dire locale, pas qu'on importe l'hydrogène d'ailleurs, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, on est dans une réflexion de comment modifier notre parc, mais on va le faire de façon étalée. On achète à peu près 2-3 bus par an. Comment basculer sur plus de mix sans passer sur une seule technologie ? Je mise sur le fait que l'hydrogène et l'électrique vont baisser en coût à terme, parce qu'aujourd'hui, le différentiel est trop important pour qu'on mette toute notre flotte en électrique sur les grands bus. Merci. Pas d'autres sujets pour notre invité François Dorugy chez Notion Écologique. Autour de l'écologie pour le moment. Bon. Non, une dame qui nous fait part, qui travaille dans les restaurants scolaires, et elle dit nous faisons déjà le tri. Donc des initiatives sont déjà prises. Oui, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, les écoles ont aussi des consignes de trier. Et encore une fois, de bien viser en amont et puis de trier après. Moi, je voulais revenir sur les arbres parce que je sais que ça intéresse François Drugy. On a un patrimoine arboricole aujourd'hui de 28 200 sujets. Donc l'objectif, c'est d'ici 3 ans de passer à 32 000, donc oui, une ambition quand même de 6 000, plus les zones de végétalisation, les micro-forêts, notamment en zone de centre-ville. Et nous expertisons 9 000 arbres chaque année, donc vous voyez, pour voir leur état de santé. Et donc on en prend soin, mais parfois on fait le constat qu'il n'y a pas d'autre solution. Depuis 2019, nous avons planté 1 200 arbres, donc ça n'est quand même pas rien. Et 5 kilos de micro-forêts au parc Mendès-France et au Courly. Je voulais rappeler cela à nos concitoyens, parce que des fois, on ne se rend pas compte, même nous, on oublie. Et c'est important de rappeler aussi des chiffres qui sont très précis sur nos ambitions de remettre encore plus de nature en ville, même si, encore une fois, je le dis, Nevers n'est pas en reste. Mais c'est important de prévoir l'avenir. Et vous savez que la montée des températures envisagée, on aura prochainement, avec le secteur agricole, notamment alimentaire, une grande conférence, ce qu'on appelle le Forum des transformations. Et notamment, nous aurons des invités maintenant de l'Europe ou du GIEC pour venir nous parler précisément et objectivement des enjeux et des corrections qu'on peut encore faire. Je voulais remercier François Drugy. Il veut peut-être compléter mes propos, non ? Non, c'est bon, j'avais dit l'essentiel. On pourrait en parler pendant des heures. Je sais bien, hein, donc, je sais bien. Il faut savoir s'arrêter, mais en tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire, pour cet échange et aussi toute cette journée passée dans cette belle ville de Nevers que j'ai découvert avec grand plaisir et dans laquelle je reviendrai avec beaucoup de curiosité encore, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses à découvrir depuis le passé glorieux, les bâtiments historiques extrêmement nombreux, jusqu'aux innovations les plus poussées et les plus modernes. Et je crois que c'est ça qui fait la dynamique d'une ville.
Merci encore. Merci à François Drugy. Voilà, pour moi, c'était important qu'il vienne, d'abord parce que, encore une fois, il a eu des fonctions nationales importantes et qu'il est toujours très motivé dans son domaine qui est l'écologie. Et puis, je trouve toujours intéressant d'avoir des yeux extérieurs sur ce que l'on fait, parce que des fois, on ne voit pas l'essentiel ou on ne voit pas des détails qui deviennent importants. Et je trouve que d'avoir un regard comme le sien nous aide à réfléchir dans nos projets qui ne sont pas encore verrouillés. Je le remercie pour cela et je le remercie pour nos échanges. Et je lui dis à très bientôt à Nevers ou ailleurs. Je le laisse repartir, mais merci encore une fois au temps qu'il a consacré à notre ville et à notre agglomération. Merci. Merci, Monsieur Drugy.